Maybe.
Seigneur de gloire, Christ de mon rocher, la parole s'est faite chair, Rabbi, a bien dit on a tombé dans les locaux, et tu as dit au salon pourquoi. Tu es un tombé qui a su qu'à travers l'instrument à l'eau. Puisque, et comment il était sans la foi, il est impossible, mon toit dans l'agréable niveau son à l'eau. Seigneur, l'homme, la loulégue, et nous sommes amis, il y a ma bête, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a pour restaurer, nous sommes amis, il y a un peu de temps, il y a ma bête, et pour que cela soit ma lame, il y a un peu de temps, et puis il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Amen. Amen. C'est le Messie. Te ya mokolo elongo na mobongo likota ya kotea likota nza. Que le Seigneur Jésus-Christ abonde mon corps dans mon corps. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun. Lui qui nous a donné le matin d'aujourd'hui. Nous lui rendons Amen. Les actions de grâce. Le 24 novembre 2021. Nous savons qu'aujourd'hui nous sommes le 24 novembre 2021. Nous continuons notre enseignement sur les sept sceaux par la grâce de Dieu. Et nous continuons notre enseignement sur les sept sceaux par la grâce du Seigneur. Pour ceux qui nous suivent en ligne, nous allons dans l'église de Saint de Arihuara. Nous sommes dans notre église de Saint d'Arihuara, dans l'est du Congo démocratique. À l'est de la République démocratique du Congo. Que la paix du Seigneur soit dans mon corps, dans mon corps. Que la paix du Seigneur soit le partage de tout un chacun. Amen. Et nous sommes au sixième saut par la grâce de Dieu. Et nous sommes au sixième saut par la grâce de Dieu. Le texte que nous allons utiliser. Le texte que nous utilisons. Apocalypse 6. Apocalypse 6. À partir du verset 12e. À partir du verset 12 et le verset 17 jusqu'au verset 17, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 6. Apocalypse 6. Le verset 12 à 17. Le verset 12 à 17. J'ai regardé quand il ouvrit le sixième sceau. Il y a un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Saza et komaki mobimba lokola makila. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué, oué par un vent violent, jette ses figues vertes.
Les ciels se retirera comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Que Dieu bénisse cette lecture des Écritures saintes. Nous croyons que le Seigneur a venu nous sauver par sa grâce. Nous croyons que le Seigneur nous assiste par sa grâce. Et nous t'avions d'abord. Et nous avions d'abord montré que le sixième psaume. Que le sixième psaume, bien aimé. Balobi bien Ezali Kanda Yamwana Napate. On a bien parlé de la colère de l'agneau. Ce côté est un verset 17e. Et si tu regardes au verset 17, les grands jours de sa colère. Mokolomonene ya Kanda Nae. Yamwana Ezotalisa sixième saut. C'est ce qui résume le sixième saut, bien aimé. Donc toutes les étapes qui parlent de sa colère et remis à sixième saut sont citées ou mentionnées au sixième saut. On avait d'abord commencé au verset 12. Que dans cette colère de l'agneau, dans Apocalypse 6, verset 12, dans Apocalypse 6, le verset 12, on nous parle du grand tremblement de terre. C'est pourquoi il fallait que nous puissions voir les Écritures de Dieu. Apocalypse 1, verset 10e. Parce que nous savons que l'Écriture nous dit dans Apocalypse, dans Apocalypse 1, le verset 10. Mongongo oyoyo, Jean ayokaki. La voix que Jean avait entendue. Ayokango par derrière. Jean l'avait entendue par derrière Nassima na Mokongo. Qu'est-ce que cela représente? Cela montre ou signifie que les choses qui sont dans Apocalypse. Pour comprendre, il faut aller à Sima. Pour le comprendre, tu dois regarder derrière. Sima Ezalaka Moïse. Et derrière représente ou signifie Moïse. Dans un autre langage comme hier. Maintenant, nous sommes dans le temps qu'on appelle l'aujourd'hui. Donc, temps présent, temps aujourd'hui. Donc, temps présent, l'aujourd'hui, maintenant. C'est pourquoi nous montrons en tout temps dans les livres d'Apocalypse. Ecclésiaste 1, verset 9. Dans Ecclésiaste 1, le verset 9 à 10. Et le bisque qui a été, c'est ce qui sera. Oui, ça la carne de Ekoya. Et ce qui
veiller ces fins qu'on les craint. Zambé a sala kabongo po batoba bangaye. Dès le verset 15e, Ecclésiaste 3, il continue Koloba. Maintenant, le verset 15 continue en disant ce qui a été, Oyo Izalaka, c'est ce qui s'est là. Ne Oyo Koya. Ce qui s'est fait, Oyo Salami. Yangonde, Oyo Salama, Isus. C'est ce qui se fera. Dieu ramène que ce qui est passé. Maintenant, Paul dans Hébreux chapitre 1er a dit maintenant. Paul dans Hébreux chapitre 1er dit. Dans verset 1er. Toujours au verset 1er. Après avoir parlé à nos pères par les prophètes. Nathan Wakala, Nassima Kolobela, Batata Nabiso Nanzela Basakoli. De plusieurs manières, de plusieurs reprises. Dieu a parlé dans ces temps par le Fils. Nous a parlé par le Fils. Donc, il nous a parlé dans les prophètes. Donc, la parole que Dieu a dite dans les prophètes. Hébreux 1, il nous dit que nous avons parlé par le Fils. La Bible dit que le Seigneur les reprend de plusieurs manières. Nous prenons un exemple. Adam, Zambasali Adam. Le Seigneur a créé ou formé Adam. Il a fini de former Adam. Après cela, après l'avoir présenté les animaux, il a plongé dans un profond sommeil. Et a émisé mon panti pour la moussa moi. Et il a tiré de son corps une côte pour former la femme. Mais moussa la, zamba lobela, on a balolengi ebele. Mais l'œuvre du Seigneur en parle de plusieurs manières. Atali sakayangone tina, Luc 13, verset 31, tina 33. Le Seigneur en parle par exemple dans Luc 13, verset 31 à 33. Dapa émisé que Jésus. Lorsqu'on avait dit à Jésus, quitte ici, va au loin. Parce que Hérode devait te tuer. Il dit ceci. Allez, dites à Serena. Je fais le miracle aujourd'hui. Demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Maintenant, il veut expliquer dans un autre langage. Donc, faire travailler. Maintenant, il appelle dans un autre langage. Il faut que je marche. Et Sengeli est une tambola. Aujourd'hui. Lélo. Demain. Lobi. Le troisième jour. Et Mokolamisa. J'aurai fini. Au moins du verset, vous avez le verset 32, il y a Luc 13. Vous voyez le verset 32 de Luc 13. A utilisé le verbe faire. Jésus a utilisé le verbe faire. Osala. Faire. On a osala miracle, lélo, lobi. Je fais le miracle aujourd'hui. On peut l'amissant. Et le troisième jour, six. J'aurai fini. Maintenant, au verset 33. Maintenant, verset 33. Il y a Luc 13. Luc 13. A utilisé le verbe marcher. Il a utilisé le verbe marcher pour expliquer faire. Pour expliquer faire qu'il avait dit au début. Il faut que je marche. Le Seigneur était dans la tambola. Aujourd'hui. Lélo. Demain. Lobi. Le troisième jour. Mon colamissa. J'en ai fini. Nakusala nasilis. Donc l'écriture. Faire c'est marcher. Kosa les appelle au tambola. Donc. Vous pouvez voir quelqu'un marcher. Mais sa marche veut dire aussi faire. C'est tout un travail. Vous voyez comment le Seigneur était en train de faire la femme. Lorsqu'il a fini de la faire, et il a pris Ève et l'a amenée vers l'homme Adam. Maintenant, Genèse 5. Maintenant, il vient dans Genèse 5. Dans la généalogie d'Adam. Si tu lis le verset 24, on dit Enoch marcha avec Dieu. Enoch a tambolaka na nzambe. Marche c'est fait. Kotambolaza kosala.
marcha avec Dieu, atambola kanaza, il ne fit plus azala kanisa, parce que Dieu l'enleva. Bon zambe anitola kie. Place wana Enoch. En cet endroit là Enoch, aza Eve. Elle est Enoch et Eve répétées d'une autre manière. Aza mwana mobali, c'était un homme, azo talisa Eve. Mais qui représente Eve la femme? Parce que Enoch lelo eza biso. Parce que Enoch aujourd'hui c'est nous l'église. C'est nous qui marchons avec Dieu jusqu'à la fin pour que nous soyons enlevés. Mais là-bas, il a utilisé un homme. Un homme qui marche un homme avec Dieu. C'est textuellement la formation d'Ève par Dieu. Il faut comprendre la Bible telle qu'elle est. De la même manière, tu verras le Seigneur faire sortir Israël de l'Égypte où il était. Lorsqu'il a fait sortir de là, il a entamé Kusala Mwasi Ewa. Cela veut dire le Seigneur marche avec nous. Et Dieu bénisse. Amen. Il y a un autre avancé qui par la grâce de Dieu. C'est pourquoi on avait avancé par la grâce de Dieu. Et sixième saut, c'est la colère de l'agneau. On avait montré que le sixième saut, c'est la colère de l'agneau. Et dans la colère de l'agneau, Domoni, grand tremblement. On a vu un grand tremblement de terre. Comme Jean a eu qu'à voir par derrière. Et comme Jean avait entendu la voix par derrière. Il faut tout le kamakambo oyoyo. En Moïse, dans les prophètes. Il faut que nous cherchions ces choses dans le prophète en Moïse. Il y a un autre texte, texte il y a Agé 2. C'est pourquoi nous avions pris les textes d'Agé 2. À partir du verset 6. À partir du verset 6. D'un verset 9. Jusqu'au verset 9. Nous autant qu'il y a un bon accompagnement de Jésus-Christ. Nous les lisons au nom de Jésus-Christ. Agé 2. Agé chapitre 2. Verset 6. Le verset 6. Verset 9 jusqu'au verset 9. Mais toujours dans le verset 6 à 7. Mais nous lirons d'abord le verset 6 à 7. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Et je prendrai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je prendrai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. C'est la parole du Seigneur. Amen. Alors, je prendrai ce qui a l'acquis. C'est-à-dire, le Seigneur a promis. Il faut que tu aies l'écriture pour comprendre, pour ébranler les cieux et la terre. C'est pourquoi tu dois avoir une autre écriture qui explique ébranler les cieux et la terre. Il y a un autre chose qui est Hébreux chapitre 12. C'est pourquoi on avait pris Hébreux chapitre 12. À partir du verset 27. À partir du verset 27. D'autant qu'on a compris Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Même dans 26. Je commence même au verset 26. Lui dont la voix alors ébranla la terre. Yo mongongo et mingisa mabele. Nangwana balobi aningisa kamabele mongongo nae. Là on parle de la de sa voix qui avait au passé ébranlé la terre. Wana il faut mon angon à Sinaï. Là il faut voir ces mouvements là-bas à Sinaï. Dans Exode 19, lorsqu'il était descendu, il avait ébranlé la terre. La montagne tremblait. Il y avait des éclairs, des tonnerres, des tremblements. Awa continue, c'est bon une fois encore. Donc il branla la terre et qui maintenant a fait cette promesse? Donc l'élo aujourd'hui. L'église c'est comme dans l'alliance que l'église a où se retrouve. Et la kaizali ya koningisa en
encore. Il y a encore une promesse d'ébranler la terre. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux. Balamon comme mususu na koningi saka kakate mabelende na salaka kasi pe na makolo. Oyo kanyo biso toza na yango. L'alliance que nous avons bien-aimé. Ezali to pusani na montagne oyo yo ezalaki na bakakete. Nous sommes approchés de la montagne qui n'avait pas de coup de tonnerre. Oui, on m'a mis comme Sion, la cité céleste. La montagne qu'on nous parle, dont on nous parle, Sion. Ésaïe, na Hébreu 12 toujours. C'est toujours dans Hébreu 12. Na loande, ba pousana ki na montagne, ki na bakake, na ba tremblement. C'est dans la loi que les enfants d'Israël s'étaient approchés d'une montagne qui avait des tonnerres et des clairs, des tremblements. Mais oyo biso toza na molelo, oyo kanyo toza na molelo. Mais l'alliance que nous avons aujourd'hui, elembo na yango na mobeko lisusu, les signes de cette alliance dans la loi, ezalaka deuxième année depuis leur sortie de l'Égypte. Donc c'est la deuxième année de leur marche depuis leur sortie de l'Égypte. Sokotali na première année. Si tu remarques dans la première année, Zambe azako solo na Moïse. Le Seigneur s'entretenait avec Moïse. Na montagne ya Sinaï. Likolo ngomba ya Sinaï. Na suka ya kokende na fin ya première année. À la fin de la première année de leur sortie. Zambe ya ki Exode 25. Le Seigneur était venu dans Exode 25. Il a dit à Moïse offrande na kati ya peuple, de prélever l'offrande parmi le peuple bonna, tabernacle. Enfin, diriger le tabernacle. Ya lobike, na koya kofanda na kati na bino. Et il a dit que je viendrai habiter au milieu de vous. Et Moïse a fait le tabernacle. Et Moïse a construit le tabernacle. Le Seigneur a salaki ke a pesaye. Deux bateaux, oyoyo, bazalaki na tribu ya Dan na Juda. Et le Seigneur avait fait qu'il puisse lui donner deux personnes, dont l'une était de la tribu de Juda et l'autre de celle de Dan. Ezalaka elembo. C'était le signe. Ya kotalisa ke le programme de Dieu, eza programme ya il est roi, mais ako semisa na serviteur. Pour montrer que le programme de Dieu était un programme d'un roi qui se fera servir. Parce que la tête du peuple c'était Juda. Parce qu'à la tête du peuple c'était Juda. Na suka ya peuple c'était Dan. Et à la fin de la marche du peuple c'était Dan. Et l'ange de l'Éternel Azaïko s'est présenté sous forme de colonne de feu la nuit. Et l'ange de l'Éternel s'est présenté sous forme de la colonne de feu la nuit. Il allait devant. Azaka derrière. Liboso pasosonga sima. Il allait devant. Donc, quand il est devant, il est comme Juda. Quand il va devant, il est comme Juda. Et quand il rentre jusqu'à l'arrière-garde, il est Dan. Donc, provenir de l'Égypte pour se rendre à Cana, c'était monter à Cana. Maintenant, il y avait 12 tribus d'Israël. Donc, ce qui Zambé Azali Iboso. Donc, si l'ange de l'Éternel est devant, ils en étaient montés dans Bango. C'est comme s'il est monté avec eux. A commis la position à Juda. Il a pris la position de Juda. Baza 12 fils. Ils sont 12 fils là. Maintenant, il faut Azonga des 10 fils. Maintenant, il doit reculer des 10 parce fils. Parce que Azonga Boïsa Azokita. Parce que reculer, c'est comme s'il descendait parce qu'il montait. Azongi des 10 fils. Donc, il recule des 10 fils et devient Dan. Il faut retourner des 10. Donc il faut qu'il puisse retourner des 10 fils pour devenir Dan. C'est pourquoi il voyait il allait devant et il allait y retourner derrière. Parce qu'il y a l'alliance d'Abraham. Oui, des alliés. Après l'alliance d'Abraham. Et après l'alliance d'Abraham, la loi de Moïse intervenait dans quatre. Mais c'est l'alliance qu'il est venu nous donner aujourd'hui. C'est comme s'il est retourné, il est reculé dans ce qu'il était. Il est allé prendre encore, reprendre l'alliance pour nous le présenter devant. Il a dit, si quelqu'un croit, il est fils d'Abraham. Azali moana ya balama. Ton fils. Donc
moi. Parce qu'il est reculé pour aller prendre, reprendre l'alliance. C'est pourquoi on avait dit à Ézéchias pour son salut. Il faut que l'ombre ait retourné de 10 degrés. Et Seigneur, il était au Ézéchias, il dit, Ezonga na mitape, zomi. Donc il faut Juda à quelle position Dan Boazala ne sert pas pour renverser l'ennemi. Il faut que Juda prenne la position de Dan, le serpent, pour renverser les cavaliers l'ennemi. Donc Christ aille comme libérateur. Donc que le Christ vienne comme le libérateur. Et la mort est à la qui fait le roi. C'est pourquoi la mort qui était doit être ôtée. Mais tout à l'ici d'abord. D'abord on a montré ceci. Que tabernacle et lorsque le tabernacle fut construit, Sokotani Exode chapitre 25. En lisant Exode chapitre 25, verset 21 à 22, le verset 21 à 22, le Seigneur a l'obaki, le Seigneur avait dit, Okosa la arche. Tu vas faire, vous allez faire une arche. Et puis Okosa la Ezipeloya arche. Et puis tu feras le propitiatoire. Oyezana kineti santoku be. L'arche et les propitiatoires où l'on mettait le sang. Et puis Zambé a lobi. Et puis le Seigneur a dit. Et c'est là que je te rencontrerai. Et je te parlerai. Et je te donnerai mes ordres sur tout ce qui concerne l'Israël. Ou na makila. Donc, sur le propitiatoire, là où il y avait les sangs. Donc, la première année, donc, dans la première année, le Seigneur parlait sans le sang. Descend sur la montagne, la gomba, avec des éclairs, des tremblements, la colère. Deuxième année, tonnerre est à la guitare. Mais la deuxième année, il n'y avait plus de tonnerre. Mais la voix sortait du sang. Parce que mon gomba est à la guitare. C'est à venir sacrifier sa limite. Enfin, le tonnerre est allé dans la première année. Or, Moïse, c'est toute une année. Moïse, c'était toute une année aussi. Jésus-Christ aussi, c'est une année. Jésus-Christ aussi est une année. Mais Jésus-Christ, c'est une année où il y a l'expiation en sang et salé. Mais Jésus-Christ, c'est une année où il y a où s'est passée l'expiation. C'est toute une montagne où il n'y a pas de tonnerre. Azali kumba oyo mikali kalezati ata nkake. C'est là-bas que nous nous retrouvons aujourd'hui. Et c'est pourquoi tant aux autres yatoebi qui nous approchait la montagne Témoïzana Makagé. C'est pourquoi en prêchant nous savons que nous ne sommes pas approchés des montagnes où il y avait des coups de tonnerre. Et les mots à montagne Azali kine Ezipeloya Ash. Les signes de cette montagne là c'était le propitiatoire. Pour avoir une propitiatoire. La couverte de l'arche. C'est une montagne à deuxième année. Et Zali Ngomba, Yamvula Mibale. La première année. Namvula Liboso. C'est Sinaï. Namgomba Sinaï. Mais la deuxième année. Mais Namvula Mibale. C'est des propitiatoires. Et Zali Esipeloa Sandoukwa Mobeko. C'est un lieu élevé. Et Zali Esikao et Tombo. La maison de Dieu, c'est un lieu élevé. Dakwanzambe Esikao et Tombo. Une montagne. Lorsque tu vois les tabernacles, Aja Ezana Sevoye, même si c'est sur la terre, mais toute une montagne. Mais cela représente toute une montagne. Parce que c'est un signe royal. Parce que cela avait un signe royal. Tabernacle Ezana qui est na pourpre. Les tabernacles avaient le vêtement de pourpre. Pourpre Ezana qui est sa royauté. La pourpre représente la royauté. Ezana la peine à cramoisi. Avait aussi le cramoisi. Cramoisi est allé sa rédemption. Le cramoisi représente la rédemption ici. Parce que nous avons le cramoisi des Zouaka. Parce que nous savons que c'est le cramoisi qui. Oui, Azala qui prémie à commis dernier. C'est lui qui était le premier pour le faire le dernier. Dala dans Genèse 38. Remarque dans Genèse 38. Dans Tamar à Zobot. Lorsque Tamar enfantait, Azala qui n'a pas la vie balée dans elle avait deux jumeaux dans son. Oui, Ali Moussotan à Zobima. Le premier en sortait. Sa main. Bah, sage femme, bah, les sages femmes ne s'étaient pas étonnées. Bah, c'est l'accouchement difficile. Pour dire que c'est un accouchement pénible. Le bon, bon. Et la main qui était qui est le premier n'avait fait sortir puis se rendre. Donc sacerdoce et avant la loi. Donc leur sacerdoce de la loi. Donc la cramoisie est. Comme le cramoisie venu. Ils ont retiré. Donc ils retiré d'abord. Maintenant moi dans ce maintenant le dernier le cadre, c'est lui qui sortira le premier. Et ma sage-femme, alors les sages-femmes s'étonneront.
quelle brèche? Oh, Zali. Donc celui qui était cadet a été fait premier né à cause du fils de Cramoisi. C'est l'arrivée de Jésus Christ na kati ya Israël. Et ce Cramoisi là, c'est l'arrivée de Jésus Christ en Israël. Il est la grâce. Il est venu chez les siens. Aya qui est pas bandé. Mais les siens ne l'ont point reçu. Alors pas qui na bango. Il est raveti. Les prospects. Vous défenseront dans le royaume des cieux. Bandumba bakoleke la kamino liboso na makambo ya bokonza nzambe. Les premiers seront les derniers. Batuna yamo bakozala bato asuka. Yamo na yebisaki bango. C'est ce qu'il leur avait dit. Or les premiers avec Israël. Or les premiers c'était Israël. D'après Exode 4. D'après Exode. Na verset 22e. Israël est mon fils. Israël azali mwana nga moba. Mon premier. Mwana nga yambo. Mais quand Kramwazi Zoya. Le sacrifice de Christ. Le sacrifice de Christ. Les premiers mokoma, les derniers. Mwana yango akokoma mwana suka. C'est aujourd'hui. Ils ont les lots makabwani. Ils ont commis premier. Nous nous sommes devenus. Israël a commis dernier. Israël a été fait dernier. Ils ont commis premier négéni. Parce que Bissoté ont commis premier comme peuple pour Jésus Saint-Esprit. Parce que nous sommes devenus les premiers comme le peuple qui a reçu le Saint-Esprit. Yamone Romains 8, 23 et Zoroba. C'est ce que nous dit Romains 8, 23. Bisoba Oyotozani, prémices de l'Esprit. Bisoyotozu. Qui ont reçu les prémices. Bisoyotozu Molimo Yayambo. Bisoyotozu. L'église. L'église. Parce qu'en Israël. Parce qu'en Israël. Le Saint-Esprit, ça vous a rendu pour un prophète. Le Saint-Esprit n'était que pour le prophète. Tout le peuple n'a pas besoin d'autre. Et tout le peuple ne l'avait pas. Mais banal, il a besoin du Saint-Esprit, il bosse comme peuple. Maintenant, qui ont reçu le Saint-Esprit en premier comme peuple? Les abissos. Les abissos ecclésiens. Bah, moi, commis dernier, puis ça doit être premier. Ils sont devenus le dernier, nous sommes devenus les premiers. Ils sont des tout petits premiers dans le royaume. Bah, moi, bah, voyons, quoi d'après. C'est nous qui sommes entrés les premiers dans le royaume. Maintenant, notre temps. Oyoyo, donner exactement. Ou pendant lequel il n'y a et pas exactement. Pas de tremblement. Mais toujours utiliser une promesse. Mais nous utilisons une promesse. Il ébranlera. Que jamais à Kondingisaka. Nous faisons bien comprendre. Il y a un hébreu, lui. Et c'est ce qui dit hébreu. Il y a un mot et l'ingi kota et ça changement des choses. Et ce qui montre les changements. Mbongwane à Makambo. Il bénisse. Amen. Il y a un mot aujourd'hui texte. Au verset 27. Au verset 27, le texte. Tosan verset 26. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux. Cette parole provient d'Agé 2. Verset 6. Le verset 6. C'est le Seigneur qui l'avait donné à Agé. Pour annoncer ébranlement. Pour annoncer un tremblement de terre, un ébranlement à venir. Oui, que Dieu soit loué. Amen. Il y a un verset 27 de nos Bibles. C'est pourquoi le verset 27. Il y a Hébreux 12. Hébreux 12. Ces mots, une fois encore, Maloba Oyo, Mbalamoko Lissou, indiquent le changement des choses ébranlées. Donc, les choses ébranlées, Nicolo Babiloko, Oyoyo, ils ont demeuré éternellement. Donc, les choses ébranlées représentent des choses qui ne demeurent pas éternellement. Donc, Biloko Yoko Kiko Lika. Donc, des choses qui peuvent passer, qui sont temporelles. Donc, Biloko, ils sont temporelles. Voilà les termes. Donc, Biloko, ils sont en temps. Donc, des choses temporelles. Si tu veux lire les choses qui sont là pour peu de temps, ils ont acquis d'abord Mobeko. Donc c'était d'abord la loi qui était donnée pour un peu de temps. Ce qui est le moins dans Mobeko, hein? Si tu quittes la loi, et donc on nous suit ça ébranlable. Et deuxième chose, ébranlable, qui est établi pour un peu de temps. Ils ont pour conduire ma bénie. C'est le royaume de la terre ici. Il faut que ce royaume de la terre aussi soit ébranlé. Vie à terre aussi, il faut aller ébranler. Et la vie de la terre aussi doit être ébranlée. Parce que une fois encore, j'ébranlerai, cela indique. Maintenant, les choses ébranlées. Et où met la libella? Et Dieu bénisse. Amen. Verset 28 maintenant.
C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, déjà nous avons reçu un royaume qui est inébranlable. Et ce royaume-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Pourquoi nous avons reçu ce royaume? Parce que le Seigneur à la croix, il avait ébranlé. Il avait ébranlé les cieux. Et pendant le jour comme ça, il a fait entrer les ténèbres. Lorsqu'il a rendu son esprit, il a ébranlé venir changement des choses. Donc on dit que ça va n'aller beaucoup à Macao. Y a mon lion sur un temple salami, voit le temple c'est pourquoi lorsque toutes ces choses se sont passées, le voile du temple s'est déchiré. On a voulu que ça serve dans la loi. Ici, pour montrer que ce sacerdoce là de la loi a pris fin. Romains 10 verset 4 lui. Romains 10 4 dit. Christ est la fin de la loi. Christ a dit souka y a mon béco. Maintenant la grâce est venue. Royaume inébranlable. Nous avons reçu le royaume inébranlable. Donc Jésus-Christ ne passe jamais. Jésus-Christ a les cacatés. Et personne non plus ne mettra fin à son règne. Hasard, royaume inébranlable. Asali pour conduire au kiko ninganate. Sokoyambie. Si tu reçois, tu reçois aussi le salut. La vie éternelle. Cette vie, on ne pourra jamais te la rater. C'est ça le royaume inébranlable. Quand on va pécher le Saint-Esprit, lorsqu'il te donne le Saint-Esprit, cela veut dire pécher au Bokondi. Cela veut dire qu'il t'a donné le royaume. Parce que Jean 1 le dit. Parce que Jean 1 dit. Il est venu chez les siens. Donc, comme la parole fait chair. Mais les siens ne l'ont pas laissé. Mais à texte. Donc être enfant de Dieu, ça pouvoir. N'hésite pas. Tu as le pouvoir, la royauté au nom de Jésus. Quels que soient les problèmes, quelle que soit une pression de l'ennemi, Zambé a ça déjà molong. Le Seigneur t'avait déjà fait vainqueur. Déjà par l'œuvre de la croix. Là, na musali kunu. Abessa yo yelong. T'avait donné la victoire. La plus grande chose est que demeure et persiste dans la vie. Et ramène-toi devant le Seigneur. Rappelle le Seigneur ses promesses. Et il ne renie jamais sa parole. Il verse sa parole. Dans ta vie, il faut exercer ce royaume inébranlable. Pour dominer la mort. Que tu puisses dominer la mort. Pour dominer les péchés. Tu puisses dominer les péchés. Choses que l'ennemi attendit pour nous troubler. Quelle que soit la situation, au nom de Jésus-Christ, il faut toujours dire les paroles de victoire. Les gens qui ont prévu de te faire du mal, il faut avoir pitié d'eux parce qu'ils ne vont pas vaincre. Ils ont commis grave erreur. Tu as été déjà vainqueur. C'est pourquoi toi qui s'envoie ma vie dans ta vie. Monsieur, même si tu apprends une mauvaise nouvelle dans ta vie, contre les gens qui s'arrêtent des choses contre toi, ils t'ont tendu des pièges. Donc ils ont été créés les problèmes. C'est comme si ce sont créés eux-mêmes des problèmes contre Dieu. Toi, il faut avoir pitié d'eux. Tu faut dire Seigneur, pardonnez-moi. Parce qu'ils ne parviendront pas. Ça va passer déjà pour conduire au le Seigneur t'a déjà donné un royaume inébranlable. On doit beaucoup pique pour la yote et nous on s'en va pécher. Personne ne peut t'arracher ou déraciner dans ta promesse. C'est que le Seigneur a donné cela m'appartient. Oh, il y a beaucoup de
C'est lui me combattra, va croiser celui qui m'avait donné. Il faut avoir cette foi-là. Et ce que nous avons pour dire, la maladie t'attaque. Sachez que Christ n'a pas pu Jésus-Christ de tous nos pays. Affrontez l'amour. Il faut affronter la maladie. Avec la foi. N'a qu'on dit manier. Et motiva. Tout ennemi n'a qu'on bon à Jésus-Christ. Nous lèvons au nom de Jésus-Christ. Oui, en ces temps, tu confesses la victoire que le Seigneur te donne. Vous allez croire dans le problème de Nyonso et Koukikozala. Autant la victoire que le Seigneur vraiment apaisera les miens. Confesse la victoire dans tous tes problèmes et la lumière. Et l'homme qui est le milieu même la journée. Ce que tu reconnais comme opposition même pendant la journée. Déclarer que fait l'homme dans cela. Déclare que cela doit quitter sur ton chemin. Tu es appelé à vivre la victoire. Prions et professons la victoire dans tous nos problèmes. Grand Dieu Rocher Jésus. Même devant quelque chose de prévalent, vous vous posez la table parce que c'est pas sur la vie. Au nom de Jésus-Christ, la présence de Dieu est la vie. Le roi la gloire la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les avais mis sur la table. Dans tout ce que tu as fait au milieu de nous. Ton dimisami qui va maladie, oui, au nom de Jésus-Christ. Ah. Nous voyons que les maladies sont tombées au nom de Jésus. Piège, bâtira qui bisoumi tambo. Que tous les pièges qu'on avait tendus contre nous. Échouer au nom de Jésus-Christ. Échouer au nom de Jésus-Christ. Au son ignon, souva, bon, qui sera qui bisoumi, on a combo na Jésus-Christ. La honte que nous avait préparé, tu l'as ôté au nom de Jésus-Christ. Pour croire que na kati na yo tozana succès. Nous croyons que en toi nous avons le succès. Tozana réussite. Et si quand on voit qu'il y a des télévisions qui sont en cours pour la Jésus, vous restaurez mes sous Seigneur. Merci Jésus pour la grâce d'ailleurs. Merci Jésus pour ta grâce. Ma compagne à Jésus Christ. Au nom de Jésus. Pour là, on a eu tant pour la mission aussi, journée à l'heure. Ta bonté marche avec nous. Oye, ma paix pour ça, il s'agit aussi l'après-midi, la culte. Si ça, Jésus nous rassemble les après-midi. À 15h30, pour la Lokumu na Kombo na yo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de nous.